chevaliers vont faire la course à travers tout le pays. Le premier à franchir la ligne d'arrivée gagne le trophée de l'épée dorée. Oh ! Alors ça, c'est trop top. J'en crois pas mes yeux, je suis d'accord, c'est top. Oh, j'ai tellement envie d'avoir ce super trophée, il faut absolument qu'il soit à moi. Je viens d'avoir une idée, Crusher. Tous les deux, on pourrait mettre des armures et devenir des chevaliers. Comme ça, on pourrait faire la course. Oh oui, 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 du coup, si tu gagnes, tu auras le trophée de l'épée dorée. Hourra, je vais être un chevalier. Allez, on va s'équiper. Regardez, désormais, je suis Messire Blaze. Ah oui? Maintenant, c'est mon tour. Oh, ah, oh, oh, ah, ah. Et moi, je suis Messire Crusher. Oula, je vois pas du tout où je vais. Regardez, compagnons, deux chevaliers en plus. Ah, bienvenue dans la course. Très bien, hein? Que la fortune soit avec nous. Merci tout le monde, bonne chance à vous aussi. Chevalier, à vos marques. Prêt? Partez! Ouais! En avant tout! Oh, Messire Blaze, vous excellez dans l'art de la course. Merci les chevaliers. Regardez au devant, compagnons chevaliers. La course continue sur ce chemin. Derrière le pont-levis. Suivez-moi, tout le monde. Tous au pont-levis. Oh, il remonte. Oh, attention. Wow, parbleu. Quelqu'un a remonté le pont-levis avant qu'on puisse le franchir. Mais faire ça, c'est de la triche. Qui oserait faire une chose pareille? Je crois qu'on sait très bien qui est le responsable. C'est forcément... Crusher! Coucou les gens en bas! J'ai remonté le pont-levis jusqu'en haut! Vous pouvez pas passer parce que c'est moi qui ai la clé! Qui a éteint la lumière? La clé! Elle tombe! Attrapé! Oui! Bravo! Belle prise, Messire Blaze. Maintenant, il faut qu'on se serve de la clé et qu'on trouve le moyen d'ouvrir cette serrure. Laisse-moi faire. Avec cet arc, je peux envoyer cette clé jusque dans la serrure, comme avec une flèche. Regarde bien, quand je tire sur le fil, l'arc se courbe. Ça veut dire qu'il a emmagasiné de l'énergie potentielle. En d'autres termes, l'arc est maintenant rempli d'énergie. De l'énergie prête à sortir pour expulser la clé le plus loin possible. Activation de la visière. La serrure est tout là-haut. Et l'arc a assez d'énergie potentielle pour envoyer la clé jusqu'ici. Est-ce que c'est assez loin pour l'envoyer jusqu'à la serrure? Non, ce n'est pas assez loin. Il nous faut plus d'énergie. Je vais tirer plus fort. Plus je vais tendre l'arc, plus il va contenir de l'énergie potentielle. Est-ce qu'il y a assez d'énergie cette fois-ci? Non, ce n'est toujours pas assez loin. Tu peux le faire, Messire Blaze. Il manque encore un soupçon d'énergie potentielle. Si je tire la clé avec l'arc, maintenant, est-ce qu'elle va entrer dans la serrure? Oui! Libère l'énergie! Super! En plein dans le mille! Joli coup, Messire Blaze. Tu as réussi à descendre le pont-levis. En avant, les chevaliers. On peut tous continuer la course pour gagner le trophée de l'épée dorée. C'est parti. En avant tous. L'énergie qui va être relâchée, c'est l'énergie potentielle. Faut viser avant de tout lancer. C'est l'énergie potentielle. Elle se réveille quand tu la relâches. Suffit de tendre l'arc à fond. Tiens-toi, tiens-toi prêt, on passe à l'action. C'est grâce à l'énergie potentielle.
préviens Blaze quand c'est le moment d'y aller. À mon arc. Allez. Quand le feu passe au vert, crie partez. Partez. Désolé, bande d'escargots. Personne ne doit arriver avant moi sur le toit du monde. Oh non! Crusher est en train de relever le pont. On ne va pas pouvoir le franchir. Mais si, on peut le faire. Les Monster Machines ne renoncent jamais. Quoi qu'il arrive, on continue à rouler. Ne t'inquiète pas, Crusher. Je vais te sortir de l'eau. C'est pas juste, Pickle. C'est pas juste. C'est moi qui aurais dû gagner. Oh, ne pleure pas, Crusher. Voyons, tu es un Monster Machine. Et souviens-toi d'une chose, les Monster Machines n'en ont jamais. Quoi qu'il arrive, ils continuent à... tricher. Tricher, non, c'est pas ce que je voulais. Tu as raison, Pickle, je dois continuer. Et si je veux l'emporter, il va falloir que je triche comme jamais. Je vais fabriquer une machine à créer des tornades. Oh, ouf. Je suis rassurée, ce n'est qu'une toute petite machine inoffensive. J'avais peur que ce soit quelque chose de démoniaque. Oui, vas-y, c'est bien, ma petite machine. Déclenche une grande, une gigantesque tornade. Eh ben, ça, pour une grande tornade, c'est une grande tornade. Cette tornade va emmener Blaze et les autres concurrents faire un tout petit tour. C'est par là, en route pour le toit du monde. Maintenant, personne ne peut plus nous arrêter. Oh, tiens, il y a beaucoup de vent tout à coup. Oh, c'est trop frais. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Blaze. Accroche-toi, AJ. Et ses amis viennent de se faire mystérieusement emporter par une tornade géante. Une tornade géante. Ils étaient en course pour atteindre un sommet. Mais j'ai bien peur que cette tornade leur fasse toucher le fond. Comment vont-ils faire pour se sortir de là? Vite! Il faut chercher nos amis et trouver un moyen de sortir de cette tornade. Regarde, c'est Zeg! Tiens bon, Zeg! On est là! Zeg, très content de vous voir! On dirait bien que c'est Stripes! Ouvre bien les yeux et cherche-le! Quand tu le vois, crie Stripes! Stripes! Merci, Blaze! Maintenant, aide-moi à retrouver Starla. Dès que tu la vois, crie Starla. Starla! Waouh, super! Merci, les gars! Il ne nous reste plus qu'un seul ami à retrouver. Darrington! Dès que tu vois Darrington, crie Darrington. Darrington! Waouh! J'ai la tête qui tourne! Maintenant, il faut juste trouver un moyen de sortir de cette tornade! Je crois que j'ai une idée! On va s'échapper de cette tornade grâce... à ma vitesse explosive! Ouais! Pour que j'atteigne la vitesse explosive, dis... fonce, Blaze!
surprise. Nous libres maintenant. Attention, démarrez vos moteurs. À vos marques, prêt, feu, partez. Ça y est, je l'ai. Oh non, ma télécommande. Blaze, AJ, on a un problème. Crusher vient de prendre ma télécommande. Tout à fait. Et attendez un peu de voir ce que je vais faire avec. Ça, non! Pas question qu'ils nous battent! Bien dit! Notre équipe ne va pas se laisser faire! Non seulement on va récupérer la télécommande, mais on va aussi remporter la course! C'est parti, les amis! Ouais, allez! Wouhou! Prêt à décoller, nous on aime aller à la vitesse grand B! Cette fois, tu vas voir, on a du cœur! Cette fois, tu vas voir ce qu'on a dans le moteur. Alors, appuie sur champignon. Il va voir ce qu'il va voir. Même avec la télécommande de Gabi, Crusher ne nous arrêtera pas. Regarde, droit devant, la course traverse une fête foraine. Accrochez-vous, les amis. Oh, ça alors, j'en reviens pas. Blaze est en train de me rattraper. Il faut que je trouve un moyen de l'arrêter. Je sais, je vais me servir de la télécommande et je vais l'utiliser pour prendre le contrôle de cette grande roue. Ce que je suis malin. Crusher s'est servi de ma télécommande pour que cette grande roue tourne plus vite. Il a augmenté sa vitesse de rotation. La vitesse de rotation mesure la vitesse à laquelle tourne un objet. Et regardez, la vitesse de rotation de la grande roue augmente tellement qu'elle est passée à 15. Catastrophe! La grande roue tourne tellement vite qu'elle s'est détachée de son axe. Attention, Blaze, la roue fonce droit sur nous. Oui, et elle se rapproche de plus en plus. On doit trouver un moyen de l'arrêter. Peut-être que si je mets des choses collantes sur le chemin de la grande roue, cela va diminuer sa vitesse de rotation. Hé, hey, voilà quelque chose qui colle. Du caramel. Ça marche. La grande roue ralentit. Sa vitesse de rotation diminue. Elle passe à 14, 13, 12, 11. Quel est ce nombre? 10. Bravo. On a fait diminuer sa vitesse de rotation pour qu'elle passe à 10. Mais la roue tourne toujours. Et en plus, elle nous rattrape. Regarde là-bas. C'est du sirop d'érable et ça colle. Ça devrait la ralentir. Oui, essayons. Super, la grande roue ralentit encore. Sa vitesse de rotation diminue. Elle passe à 9, 8, 7. Quel est ce chiffre? 6. Oui. Oh-oh, la grande roue est juste derrière nous. Il faut absolument qu'on ralentisse encore sa course. Oh, de la barbe à papa. Ça, c'est super collant. Attention. Sa vitesse de rotation diminue. Elle passe à 5, 4, 3, 2, 1. Quel est ce chiffre? 0, c'est ça. Elle ne tourne plus. Ouais. On a réussi à arrêter la grande roue. Beau travail, les amis. Dépêchons-nous, il faut vite rattraper Crusher et les autres participants. Allons-y. Allez, tu peux encore gagner la course, Blaze. C'est toi le meilleur.
Bonne chance, mon chéri. Merci, ma minette. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Hé, hey, Crocheur, qui est-ce? C'est ma minette, ma grand-mère. Elle est géniale, non? Je t'aime, ma minette. Attention, chers participants. Mettez-vous en place. Prêt, fin. Partez. Minette, regarde-moi, je vais gagner la course. Je te vois, mon chéri. Qu'est-ce que tu vas vite? Si ma Minette trouve déjà que je vais vite, qu'est-ce qu'elle dira quand elle verra ça? Elle n'aura jamais vu de Monster Machine plus rapide que moi quand j'aurai mis mes skis à réaction. Regarde, je vais encore plus vite maintenant. Eh oh, arrêtez-vous! Vous allez dans le mauvais sens! Crocheur, mais où est-ce que tu vas? Elle est par là, la ligne d'arrivée. Attention! Je peux pas! Arrêtez! C'est ce qui a réaction! Oh là là là! Crocheur est sorti du bâtiment! Oh non! Crocheur a de gros ennuis! Il faut qu'on arrête ces skis à réaction et qu'on sauve Crocheur. Attendez-moi, mes petits choux. Ma minette. Je vous accompagne. Si mon Crocheur adoré a des ennuis, je veux vous aider à le secourir. Accroche-toi, Crochounet. Ma minette arrive. Allez, on suit ma minette. On va foncer, foncer, sans jamais s'arrêter. Les mains sur le volant, je vais me sentir vivant. Tous en cœur, yeah! Passe à la vitesse supérieure. Et vite ta vie à 100 à l'heure. Ça chatouille. Oh là là. Vous savez quoi? Je commence à me dire que c'était pas une bonne idée. C'est ce qui a réaction. Excusez-nous. Pardon. Oh, s'il vous plaît, soyez mignon. Laissez passer ma minette. Oh, tu peux l'entomber. C'est ce qui a réaction ne s'arrête pas. Comment on va faire pour sauver mon crochounet? Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Nom d'une durite. C'est une ville entièrement faite de pistes de course. Waouh! Blaze et Jay, bienvenue à Vélocitéville. Waouh! Vélocitéville! Regarde tous ces loopings et toutes ces rampes et... Blaze, t'as vu celle-là? Oh que oui, je l'ai vue. Et regarde, il y en a une autre. Ce ne sont pas des camions qui vont aussi vite. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, des voitures de course. C'est d'enfer. Je veux faire la course avec eux. Et moi donc? Je me disais bien que vous aimeriez cet endroit. Accrochez-vous et restez sages pendant l'atterrissage.
Merci pour la balade, Swoops. On remet ça quand tu veux. Amusez-vous bien. C'est vraiment génial. Tout le monde va tellement vite ici. Je te le fais pas dire. Regarde, le facteur roule à une de ses vitesses. Salut à vous. Bienvenue à Vélocitéville. Merci. Waouh, la voiture livreuse de pizza aussi, elle est rapide. Prenez garde à vous, pizza chaude en route. Hein? Même les mamies de course roulent à une vitesse incroyable. Oh, qu'est-ce que tu es adorable. Et t'es plutôt rapide aussi, mon petit père. Waouh, dans cette ville, tout le monde peut aller super vite. Stop! Arrêtez-vous tout de suite. La course, c'est fini maintenant, et ça vaut pour vous tous. Quoi? Plus de course? Oh mais non! Je suis le seul qui a le droit de rouler à toute vitesse ici. Tu es qui au juste? Qui je suis? Qui je suis? Je suis Speed Eric, la voiture de course la plus rapide de Vélocitéville. Donc vous feriez mieux d'arrêter d'appuyer sur le champignon, parce qu'ici, c'est moi le champion. Oh, dans ce cas, je suppose qu'il va falloir qu'on ralentisse. C'est nul. J'adore rouler super vite. Et moi alors? C'est vraiment pas juste. Vous n'êtes pas obligé de le laisser vous donner des ordres. Ce n'est pas à lui de décider qui peut aller à toute vitesse. Vous avez ça dans le moteur. Vous devriez tous rouler aussi vite que vous le voulez. Ouais. Blaze a raison. Personne ne nous empêchera de foncer à toute allure. Allez, viens, fais la course avec nous. Avec plaisir. C'est parti, mets les gaz, ça va vous décoiffer. Démarre, mets la gomme, 3, 2, 1, partez. Allez, plus vite, bien planché, on accélère. Fonce Blaze, toujours plus vite, on prend l'air. Oh. Ouais. Salut, beau gosse. Wow, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le droit d'aller aussi vite. Normalement, je devrais être le seul à pouvoir le faire. Eh bien, puisque personne ne veut m'écouter, alors je me chargerai personnellement de les arrêter avec mes sabots de roue. Oh! C'est le moment d'en essayer un. Yeah. Non! Hé! Hey, mais qu'est-ce qui se passe? J'avance plus! Ouais, y a aucun doute, j'ai réussi à l'arrêter. Et je compte bien mettre des sabots sur les roues de tous les habitants de cette ville. Ouais, et je serai le seul qui pourra aller à toute vitesse. Oh oh, regarde! Speed Eric est en train de poser des pièges! Hey! Mais qu'est-ce que c'est? Hey! Oh non! Il faut qu'on les aide! Hey, les amis! Je ne crois pas qu'on soit les seuls dans ce tunnel. On dirait qu'il y a des animaux. Oh, 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 j'espère que ce ne sont pas des ours. Ou des lions. Ou des poulets géants. J'y crois pas. Ces poulets n'arrêtent pas de nous picorer. Faut pas rester dans le coin. Oh, ces poulets vont vite. Ce sont les poulets les plus rapides que j'ai jamais vus. Pas de panique, on va pouvoir les semer grâce à notre vitesse. Ouais,
La vitesse, c'est la rapidité avec laquelle on se déplace dans une certaine direction. Et les voitures de course peuvent rouler très vite dans toutes les directions. Oh, ce poulet rouge est en train de nous rattraper! Regarde, la vitesse du poulet est de 5. Donc si on veut s'enfuir, notre vitesse doit être supérieure à 5. Je sais, on va devoir rouler à 3. Est-ce que 3 est plus grand que 5? Non, ce n'est pas assez rapide. Il faut qu'on roule plus vite encore. Oh, eh oh! Peut-être qu'on devrait accélérer jusqu'à 7. Voyons, est-ce que 7 est supérieur à 5? Oui! Oh! Roulons à une vitesse de 7. Ils peuvent plus nous picorer. Oh! Hey, regarde, voilà le poulet bleu maintenant. Est-il plus rapide que le poulet rouge? Est-ce qu'il va plus vite? Hey! La vitesse du poulet bleu est de 8. Alors on ferait bien d'accélérer. Zeg vouloir aller à 10. 10 est-il plus grand que 8? Oui, accélérons jusqu'à 10. Au revoir, poulet. Maintenant, plus aucun poulet ne pourra nous rattraper. Aïe, aïe, aïe. Ce poulet vert est le plus rapide de tous les poulets. Nom d'un enjoliveur, le poulet vert roule à une vitesse de 14. Alors, peut-être qu'on devrait accélérer jusqu'à 11. 11 est-il supérieur à 14? Non! On va devoir accélérer plus que ça! Dis, Blaze, et si on roulait à 20? Voyons voir. 20 est-il plus grand que 14? Oui! En roulant à 20, nous irons plus vite que le poulet! À plus, les poulets! Oh, je suis content d'être sorti de ce tunnel. Eh ouais, moi aussi. C'est parti. Utilisons notre vitesse pour atteindre le rocher de l'aigle et gagner cette course. Voiture de course, on accélère. Fonce, tiens bien ta direction. Vitesse grand V, vitesse grand V. Fonce, tiens bien ta direction. Vitesse grand V, vitesse grand V. Quand on est sur un circuit, on veut tous être super rapide. Ligne droite ou chicane, virage, on roule comme des